campagne, pas longtemps, 40 minutes, je sais pas, un truc comme ça. On va faire l'autre. Je commence à passionner par ce truc, oui, j'avoue, j'aime beaucoup. Alors, j'aimerais bien, au final, réussir. Le gardiche, il faut qu'il rentre, il faut qu'il se casse. Reste là. Voilà, il faut que lui aille à 9 nautiques. Non, ce qu'on va faire, on va prendre ça et ça, et on va faire merge. Voilà. On a les trois. Et maintenant, il faut qu'on se casse. Comme ça. Très bien. Toi, tu rentres. Non, tu peux faire un tour. De 18 nautiques. Voilà, 17 nautiques, tu peux pas faire mieux. Toi, tu vas faire. T'as encore 132 nautiques. Ça à peu près. Oh mon dieu de pendu. 4 heures. Ils gardent pas leur course en fait. Ça c'est très embêtant. Je suis obligé de remettre des courses à mes navires. Comme ça, il n'a pas de course non plus. J'étais en train de remonter vers Ribol. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr de moi, j'ai 53 points. C'est bien, 53 points, on va les garder pour l'instant. On va continuer à le grignoter en fait. Il continue à remonter. Moi aussi. Peut-être qu'il y a encore des navires. Il faut aller. Non, ils sont en surface. Donc on va leur demander de plonger. Clac. Clac. On fait start. Et on fait x5. Ah, c'est très pas bon. Ça, c'est très pas bon. Ça veut dire que les avions sont juste là maintenant qu'ils arrivent. Ah oui, c'est pas bon du tout. Oui, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Salut, Major Marco. On va faire un passage. En mitrailleuse, ça va aller. Oui, Kazan, merci pour le raid. Waouh.
Ouais, les bombardiers. Il va falloir plonger vite, il va falloir plonger vite. Plonge, 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 plonge. Plonge. Plonger. Plonger, plonger, plonger. 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 Ça va, ils sont pas eu de dommage. C'est pas évident d'endommager des sous-marins, sincèrement, c'est vraiment pas évident. Ah si, bah, c'est pris dommage sur la batterie, ce sera réparé dans 45 secondes. Merci pour le raid. Bonjour les gens qui viennent de Gerlay, bienvenue. C'est pas du warship, c'est du War on the Sea. De la guerre moyenne échelle, du coup, puisqu'on est uniquement sur Guadalcanal. Y a déjà largement de quoi faire. C'est réparé dans 15 secondes. Tout est sur Destiny. Il y a Valheim qui marche bien en ce moment. Ok, plus de dommages pour tout le monde. On va pouvoir partir. Ils m'ont vraiment pas fait grand chose. Au final, F5. Retraite. Partir. Oui, vous êtes les deux. Vous venez d'arriver les deux en même temps. Ce qui m'intéresse, c'est là, là. J'arriverai pas à vous arrêter à temps. Je peux les ralentir. Parti. Alors on a trois navires, trois sous-marins qui sont en plongée. Alors il va falloir voir les états. Tout le monde, alors lui c'est pas bien. Il est clairement pas bien. Faudra faire attention avec Gardiche. Tambor va bien. Et lui va bien aussi. Ok. On va sortir les... Non, t'es fou, pas x5. On va sortir les scopes. Tambor va le faire. Un seul scope pour 3, ce sera largement suffisant pour l'instant. On va faire start et on va voir où est-ce qu'ils sont. Ils devraient être devant nous. Les voilà. Non, ça m'arrange pas. Ils sont à 10 000 mètres. À 30 nœuds. Ils sont en train de foncer. Ils foncent vraiment très vite. C'est pour ça que j'arrive pas à les arrêter. Il reste encore un Furutaka. Et
serait bien si je pouvais essayer de faire quelque chose avec ça. Oh merde, ils m'ont détecté. Là, ils m'ont détecté. Là, c'est clair, je les aurais pas. Ils rompent la formation, ils m'ont détecté, il faut que je me casse. Dès que... Voilà, c'est pas possible. Là, ils rompent la formation, c'est clair que là, je suis dette, ils vont m'envoyer à aller. Ils vont m'envoyer des TT, ils vont tourner dans tous les sens, c'est intorpillable. On va juste se barrer. Tambor, tu me downscope s'il te plaît, c'est pas la peine de savoir où est-ce qu'ils sont. Et tout ce petit monde dive. Enfin, toi tu dive aussi. Il est en formation. Il peut pas diver. Gardiche. Faut pas plonger trop bas. Faut pas plonger trop bas. Et stop. Ah, c'est pas possible. T'es déjà à 221, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Il faut périscope def. Du mal à remonter du coup. Je suis à zéro. Non, il plonge, il n'arrive pas à rester en surface. Il va falloir forcément faire un émergence en ciblou à ce moment donné. Creuse de ça là, plantez-moi ça. Il peut pas faire de la plongée, il est en train de. Est-ce qu'on peut partir maintenant? Ce serait bien parce que je te vois que si je. C'est bon. Garde-fiche, c'est juste. Dommage, modéré, il peut plus plonger quoi. S'il plonge, c'est la folie. Hein. Allez, faut qu'on se casse. Vous allez rentrer. Vous avez fait du bon travail. Il faut réarmer, réparer. Par contre, il n'y a pas trop d'avions là. Je vais essayer d'aller les chercher, mais j'arriverai jamais à temps en fait. On va se déplacer. Comme ça. Et puis après, on va rentrer. Loin avec ma force. Je pense qu'ils sont rentrés. Ils sont rentrés réparés. C'est qu'on va quand même balancer.
Pardon, excusez-moi. Un autre avion. Qui va aller par là. Une centaine de nautiques pour un coup. Pour essayer de faire un peu de reconnaissance. C'est ça les avions de spot. Des vrais avions de spot, quoi, qui on envoie loin. Vous savez quoi, je vais faire ignore. J'ai pas ce qu'envie qu'il me repère pour qu'il vienne me chercher. Oui, ben viens me chercher. Dans 2 heures. Alors, près de Task Force 8, des avions. Cette fois-ci, c'est les chasseurs. Il va falloir qu'on fasse ça. 15 nautiques, il faut qu'on plonge. Même Gardfish va devoir plonger. C'est chiant, pas que Gardfish plonge. Totog, périscope dev. Tambor, périscope dev, start, pas d'autres bateaux qui peuvent joindre, accélérer le temps. Dans le moment garde fiche, il est en train de plonger, voilà, il plonge comme une grosse brute. On fait F5, retraite. Il est en train de tomber. Dès qu'il plonge, c'est la folie. Trop endommagé pour pouvoir tenir la plongée, il peut pas plonger. Il est obligé de rester en surface. Re-acheter du bot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais devoir le faire remonter en urgence. Ah, il y a une layer à 170 ici. C'est intéressant à savoir ça. Ennemi. Je suis déjà à 200 pieds. Je sais pas si j'arriverai à ramener. Je me demande si j'arriverai à ramener ce navire à réparation avant qu'il coule. Bah, c'est-à-dire que le garde-fiche, il est un petit peu la salle avant complètement inondée. Ce qui fait qu'il plonge.
dès que je le fais plonger, il n'arrive pas à tenir la plongée et il coule. Il coule. Donc si j'arrive à retirer en 42 secondes, sinon il faut que je fasse un truc du genre ça. On souffle au ballast et on va remonter. Mais ça c'est de la surface. Donc il faut que je puisse partir avant que je surface. Et surtout je ne peux le faire qu'une fois. Une fois que je l'ai fait, je peux plus plonger. Là c'est bon. C'est juste l'enfer, hein. Si j'arrive à... Salut Hoffman. Si j'arrive... Alors le but, l'idée, c'est d'essayer de choper. Je sais pas où est-ce qu'ils sont passés, je sais exactement. Mais c'est... Il faut faire attention, quoi. Il faudrait que j'essaie de rentrer. J'essaie de rentrer. Je rentre. Il n'y a que là-bas que je pourrais réparer de toute façon, donc voilà. Wichita va envoyer un avion. Deux avions même. On va envoyer... Je comprends pas où est-ce qu'il est passé. Ils viennent de loin, dis donc. Non. On connaît toujours pas ce qu'il y a à Guadalcanal et à Florida Island. Bah, que je sois passé avec des avions au-dessus, je suis bien incapable de dire ce qu'il y a. T'as encore de l'endurance. Essaye-moi de trouver ces maudits bateaux là. Où est-ce qu'ils sont passés? C'est pas possible, ils ont pas pu disparaître. Je suis trop loin pour l'instant. Et B17 peut-être pourrait venir faire un tour. Est-ce que les B17 peuvent venir jusque là? Quelle heure il est? 14h. Allez, c'est parti. On a 580 de course. Et ben, tu vois, ça marche juste bien. On peut les faire venir. Ils vont mettre 3 heures pour venir. Bonne idée ça d'envoyer les B17 dans le coin. Si jamais on voit quelque chose d'intéressant. Ils se cassent là, j'aimerais bien choper le Furutaka, les deux Kuma, les deux destroyers avec le Massa, ça me plairait tellement. Mais je sais pas où est-ce qu'ils sont passés. Ils vont à 30 nœuds et moi je vais à 20 nœuds. Alors j'arriverai pas à les choper en fait. Pas les arrêter, je sais pas où est-ce qu'ils sont passés. Ça c'est un avion d'escorte, on s'en fout.
Là par contre je fais world, je vais le descendre. Il faut arrêter les conneries quand même. Il doit être quelque part par là. Voilà le blanc. Là je fais Y, ça marche pas. Je fais T et V. Non, tu l'as pas vu. C'est déjà pas... Ah, c'est des Américains, ça. Ah, il est en formation, c'est pour ça. Pas mal, tu veux jouer toi aussi? Allez, viens. Je suis trop loin. Mais c'est quoi le deal? On va essayer d'intercepter l'autre. Salut Papy Frizzy, comment vas-tu? Ah, j'arriverai pas à la voir, même en accélérant. Il se casse. Il est trop loin. On peut faire F5. Ok. Combien il me reste? 200 nautiques. Tu remontes. Tu te balades par là. Toi, il te reste 97 nautiques. J'ai 23h20, je suis pas sûr qu'on ait un gros combat encore cette fois-ci. Hein. Parce que je les vois plus. Je te donne des ordres et tu n'arrives même pas à aller. Ah, intéressant. Oh, intéressant. Un sous-marin, on va essayer de le couler. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le contrôle d'un B-17. Et il va attaquer. Et moi, je vais prendre le contrôle de lui. On va ouvrir la trappe. Non, elle est fermée. J'ouvre la trappe.
faut que je le cible. Voilà. On va essayer. Je vais descendre d'altitude. Non. Je fais un passage à 1000 pieds. 1000 pieds. 700 pieds. On va accélérer. Le voilà. Fuck. Ça lui a fait aucun dommage, j'en suis quasiment sûr. J'ai trop tardé en fait. C'est pas évident. Sincèrement, des bombes comme ça qui tombent, ça devrait trop l'endommager. Les sondes s'attaquent aussi. Ça n'en peut rien. Aucun dommage. Du coup, tu peux rentrer. Il est 16h le temps qu'il rentre. Return to base. Ça arrive des fois. On va aller là. Je vais aller faire un tour ici. On va foutre le merdier. On va foutre le merdier à Guadalcanal. Je sais qu'il y a du monde à Guadalcanal. Pas faire des attaques de nuit, mais bon, on y va vite dans ce cas là en 2 heures, on y est. Je sais ce qu'il y a là bas pas gros. Alors on y va et on va taper. On va sauvegarder avant quand même. Pas que j'ai un peu peur, mais je m'attends à toutes tes surprises impossibles et imaginables. Alors, Tax Force 6, ici, une counter, ça a dédié. C'est pas possible. C'est un dédié. C'est forcément un destroyer. Si je ne vois pas de navire, si je vois rien, ça veut dire que c'est un DD. Donc, là, il faut que je fasse dans sonar on. Sonar on. Comme ça. Et il faut que Wichita fasse plein nord. Massa face plein sud, que Juno
place plein nord et que on passe nord comme ça. Nord comme ça. Et surtout qu'on réduise un peu la vitesse. Qu'on passe à 10. Et voilà. Allez, c'est parti. Il faut me trouver ce délai. Il faut me trouver ce soir. Il y a un chemin, il y a forcément un chemin. Oh, gueule. Puis en plus il fait, s'il y a des torpilles c'est la merde. Il n'y a rien de particulier pour moi à rester là. Je vais vite faire un F5. Ce F5 qui m'arrange. Putain, il n'y a rien ici. C'est incroyable. Pas m'envoyer quelque chose. J'aurais des troupes, je pourrais prendre d'ores et déjà en fait. Tu fais trop sombre. Ah, je m'attendais clairement à ce qu'il y ait quelqu'un. On va faire un tour là, puis on va refaire un tour là. Vas-y, donnez-moi quelque chose à grailler. Taskforce, Overcast. Je sais pas ce que je rencontre. Franchement, je les vois pas, quoi. Je suis sûr que c'est des ce que je cherche. J'aurais dû envoyer un avion. Ok, on va faire start. On va augmenter la vitesse de. Et je prends la main. C'est-à-dire que je vais le faire tourner comme ça. Et tous les autres vont suivre. Est-ce qu'il y a moyen de supprimer les derniers points de course? Tu le fais tourner. C'est le seul moyen. D'accord, que Wichita doit suivre. Il est en formation avec Nyx, donc tu tournes quand tu veux. Voilà, merci. Pourquoi tu vas qu'à 11 nœuds? Faut foncer un peu plus. Où est-ce qu'ils sont, les mecs? Si j'avais un avion. Mais ça, tu peux pas envoyer un avion. Radar, sonar. Est-ce
Appelle-moi ça un radar. Non. Cheetah, t'as un radar non plus. Tanta, un sonar. Tu me mets en marche, s'il te plaît. Il faut tourner, hein. À un moment donné, il faut y aller. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. J'aimerais bien plutôt voir des navires en fait, mais je les vois pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un grand coup de F5. Et on va envoyer un avion la prochaine fois que j'ai une rencontre comme celle-là. Combat de nuit un peu, c'est un peu chiant. Y a plus d'avion, 23h30. Allez, un combat avec le Massa, je veux que le Massa tire des obus, nom de nom. Encore. Alors, auquel cas... Je prends mon Massa, je fais avion. Ah, pas d'avion. Pas d'avion. Pas d'avion, pas d'avion. Le sonar. Faut que ça tourne. On n'a pas de bonne visibilité en fait. Donc vous voyez, hein, ils sont en formation, c'est-à-dire que je bouge le premier, les autres vont suivre. Il va falloir que j'essaie d'augmenter un peu ma vitesse. Juno, on va mettre le sonar en route. Quand tu veux. Ah, merci. Man derrière, sonar. Ça permet de casser la distance. Ce qui est bizarre, c'est que je vois rien. Est-ce que je pourrais tirer à la main des obus Starshell, mais le problème c'est que je sais pas où est-ce qu'ils sont. Donc... Autant pisser dans un violon. Et je préfère tourner un peu de temps en temps. Parce que si jamais c'est un sous-marin, eh ben. Je suis un peu dans la merde. Je vais pas me faire torper. Sur le ciel des torpes en plus on les voit pas hein. On fait un beau S là. Il faut bien que toi ils suivent. Rien que le fait de faire des S comme ça, ça évite juste de te faire torper quoi. Parce que du coup les solutions torpilles, c'est n'importe quoi, ça marche pas.
j'ai pas l'impression que tu bouges beaucoup, moi, ça. Si, si, tourne, tourne. J'ai pas l'impression qu'il y a grand monde. J'essaie de repérer éventuellement des traces de lancement de torpilles, mais j'en vois pas, on voit rien. Tant qu'il n'y a pas d'avion, ça va être un peu compliqué. Il est censé avoir un combat, mais je suis pas sûr qu'il y ait réellement quelqu'un. Ça va être de pire en pire parce qu'il est 19h. Il va falloir attendre. Je pense qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter au milieu. On va se mettre comme ça. Il n'y a pas grand monde en fait. Il est pas là. Je sais pas où il est. Il est pas là. Encore. À 21h10. Mais comme j'ai pas d'avion. Pas d'avion, sonar, Juno, sonar, man, sonar, Juno à l'Atlanta a des grenades anti-sous-marines, hein, croiseur léger. C'est bon à savoir, ça pourrait servir de bonne escorte, du coup. Sur un. Ça, il fait tellement nuit, tu vois rien. Tu vois tellement rien. On est censé voir quelque chose là. À part des taches sur mon écran. Ça c'est moi, j'ai le contrôle direct du DD. Et derrière, ça suit, ça tourne. Idéal pour esquiver d'éventuelles torpilles. Je suis très surpris de rencontrer rien quoi, je rencontre que dalle en fait. Et la dernière fois que j'ai rencontré rien, j'étais en Cleveland, je suis allé tout droit et je me suis fait torper. Donc il y avait un choix. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde en fait. On fait du S. Putain, le tourne un peu plus, hein. T'es un peu feignant côté tournage. Je refais course et puis je refais quand je me suis planté. Il n'y a pas moyen de supprimer un truc.
Putain, il est que 21h, la nuit va être longue. Je vais rester au port par là. Et je vais attendre qu'il fasse jour. Encore. Pleine nuit comme ça, qu'est-ce que tu veux voir quoi? C'est que dalle, les combats nocturnes, c'est la merde. Je les vois pas. Si j'avais des avions, je pourrais peut-être voir où est-ce qu'ils sont. On va dire ça, c'est un bug. Ah, mais c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Tant que je suis pas de jour, franchement. Tu vas regarder Justice League. Maintenant, t'as le lanceur du monde libre. Ouais ben sauveur du monde libre, je sais pas trop. Sauveur du monde libre la nuit, ça va attendre la journée. Hein. Encore 5 heures avant de voir clair. Là il y a du boulot. Oh mais qu'est-ce que tu fais là toi? Ça fait combien de temps que tu traînes là? Allez, go, faut y aller, tu vas te faire couler par un salut, Brian. Faut se mettre en marche, les mecs, hein. Il faut avancer. Hein. Massa et compagnie. Voilà, Massa et compagnie. Et ça... ah non, c'est pas celui-là. Ça, c'est les déménageurs bretons. Là, j'ai pas d'accent. Voilà, là, c'est les déménageurs bretons. Et... ici il n'y a rien à Matalaya, je pourrais m'installer si je voulais. En counter Task Force 6 encore, toujours. Ouais mais si c'est un peu plus clair on pourra peut-être voir quelque chose, voir s'il y a bel et bien un navire ou s'il y a pas de navire, ou s'il y a un sous-marin qui traîne. Ce qui est assez ennuyeux en fait. Si j'arrivais à voir clair. Pas génial la nuit de voir clair et sans avion je peux te dire que c'est pas fun. Ça va, ça suit derrière.
je suis déjà sur les bords de côte. Ah, il y a bel et bien quelqu'un, je suis désolé. Bel et bien quelqu'un. Fuck. Alors la fuite. Putain, c'est pas possible. Tournez, tournez. Il y a des... Ce serait bien d'avancer un peu plus vite. Ok, il y a... C'est pas bon. C'est pas bon signe du tout. Faut pas rester dans le coin en fait. Ouais, y a du noir, hein. J'ai franchement pris cher. Comment ça va ici? Oh, c'est pas bon non plus. C'est un bon plan, mon histoire. Tu peux accélérer un peu, s'il te plaît. Accélérer en tournant, tout accélère au maximum aussi en tournant, pas qu'on se reprenne des torpilles, parce que là ça serait con de se faire couler 90 points. J'ai des zones noires, c'est de la réparation, donc ce sont bel et bien des... C'est de nuit, c'est juste l'enfer, les sous-marins. Je l'aurais pas comme ça. Chi, chi, merde, chi. Bon, on se casse. On va réparer. On y sera demain. Jamais de nuit. Jamais de nuit. Jamais de nuit. D'accord. On sera au courant maintenant. Jamais de nuit. Il est démoiti, je vais arrêter là. J'ai beau avoir des DD, franchement. Eh ben, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils sont loin, c'est pas évident à trouver. Même en mettant le sonar, ben, que dalle. C'est ça, quand t'as une rencontre avec rien, c'est que c'est forcément un sous-marin. Et donc du coup, la retraite immédiate, c'est peut-être bien... C'est peut-être bien une possibilité. Ça peut être une possibilité. Dommage, l'idée était bonne. De venir le maltraiter un coup à Guadalcanal, mais...
Allez, on sauvegarde, on arrête là, on reprendra ça demain. Il est sorti il y a une petite semaine, Brian. Non, surtout pas ça. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, on continuera cette campagne, et ma foi, en essayant de pas se faire torpiller, hein, c'est pas mal. Les chemins, c'est un peu OP quand même. Hein. J'avoue, c'est un peu OP. Ah, j'ai pas changé le nom de Massa et compagnie du coup, mais c'est pas grave. Allez, les gens, plus bonne nuit, à demain, bye bye, merci d'avoir suivi, et ouais, demain soir, aux alentours de pareil, 22h30, hein, dans ces goûts-là, je sais pas, je suis en fatigue, on verra bien, allez, plus les gens.